tous, bienvenue à cette nouvelle émission Genèse de l'homme nouveau. Aujourd'hui, nous allons aborder comme thème la peur. Ce sujet fait suite à notre émission du mois dernier où nous avions vu que le stress est une mise en vibration et un phénomène naturel par lequel l'homme puise son énergie. Nous avions vu que le problème du stress survient lorsque nous renforçons constamment certains programmes nuisibles qui créent continuellement en nous des mises en vibration qui deviennent de plus en plus intenses et ingérables. Mais qu'est-ce que la peur ? La peur nous colle à la peau, très souvent elle nous envahit et devient très rapidement impossible à contrôler. Elle a pris au cours du temps des formes de plus en plus emprisonnantes. En effet, la peur dans nos sociétés est devenue élément de manipulation. L'homme qui depuis tout temps s'est toujours senti insécurisé utilise à la fois la peur comme moyen de pression et en même temps cherche à la maîtriser par tous les moyens. Alors, qu'en est-il réellement de la peur ? D'où vient-elle ? Qu'est-ce qui lui donne corps ? Et pourquoi la vivons-nous trop souvent d'une façon si dévastatrice ? Bonjour Charles. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la peur et de l'emprise qu'elle a dans nos vies. Alors la peur est définie comme un sentiment de forte inquiétude en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace. Beaucoup de gens se plaignent d'avoir des difficultés à faire face à leur peur très contrôlante qui les handicape à tout point. Alors elles souffrent de phobie sociale, de peur de l'avenir, de peur de l'échec ou de la réussite, de peur aussi beaucoup plus ciblée comme la peur du noir, la peur des araignées ou des serpents, la peur des grands espaces, des foules, la claustrophobie et bien d'autres peurs encore. Alors cette peur, elle fait naître en eux un sentiment de panique qui les paralyse le plus souvent ou tout de moins les rend inaptes à gérer la situation, les perturbe au plus haut point. Alors certaines personnes se rendent compte de la disproportion qui existe entre l'objet de leur peur et leur réaction. Mais elles ne savent pas comment s'en sortir. Alors, qu'en est-il réellement de la peur ? D'où vient-elle ? Qu'est-ce qui lui donne corps ? Et pourquoi la vivons-nous trop souvent d'une façon si dévastatrice ? Bon, oui. La peur est toujours liée à une forme. C'est ça d'ailleurs le problème. Alors, oui, il y a une mise en vibration, mais ce qui maintient la peur dans le mental d'un individu, ce qui crée ce que vous appelez, ce que les gens appellent la peur ou la crainte, c'est le fait que l'individu magnétise la forme que prend la peur. Autrement dit, il croit dur comme fer, il se concentre totalement et magnétise la forme, par exemple, la peur du noir. Alors, c'est, le noir est une forme. C'est cette forme que prend ce que vous appelez la peur. Mais le problème, c'est que l'ego ne voit qu'une partie, justement, de ce qui se passe. Il voit la forme que ça prend, la peur des araignées, la peur de... Il y a toujours une forme particulière qui fait en sorte que l'individu se maintient dans cet état de panique. Voyez-vous? Mm-hmm. Alors, c'est que justement, il se concentre sur la forme, sur... Il justifie sa mise en vibration, autrement dit. Il justifie sa peur. Alors, de la façon dont vous le dites, la forme serait uniquement le support de la peur. La forme, oui, c'est, oui, dans un sens, comment je dirais ça, donc? Oui, c'est le support, mais c'est... Ce que l'ego ne sait pas, c'est que le support réel, c'est la programmation qui va avec. Autrement dit, si une personne a peur des araignées, c'est pas nécessairement des araignées qu'il a peur. Il a peur de tout ce qui est
tout ce qui rampe. Voyez-vous? Alors, si vous demandez à quelqu'un qui a peur des araignées, en fait, il va vous dire, ben, j'ai peur de tout ce qui rampe. Alors, c'est le fait qu'il magnétise cette forme-là qui maintient sa peur. Autrement dit, il renforce continuellement sa peur tant qu'il l'acquiesce, qu'il y croit. Ce qu'il ne sait pas, c'est que justement, à la vue d'une araignée, par exemple, il y a un programme qui se déclenche et l'ego est mis en vibration. Alors, ça n'a pas nécessairement rapport avec l'araignée, voyez-vous? Ça a rapport avec une mémoire qui est liée de près ou de loin à quelque chose qui bouge ou quelque chose qui rampe, si vous voulez. Alors, au niveau de la façon d'appréhender la peur, souvent les thérapeutes nous renvoient un peu à notre enfance et à nos vécus d'enfant qui auraient une inscription en nous et qui seraient justement responsables de nos peurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire la différence qu'il existe entre justement le fait de rechercher une mémoire au niveau de notre enfance et des programmes dont vous nous parliez tout à l'heure? Ben, les mémoires, les programmes, c'est la même chose. C'est juste que les psychologues vont chercher la forme dans la mémoire. Ce n'est pas la forme qui est importante, c'est la capacité de l'ego d'observer ce qui se passe. Autrement, c'est évident que ça prend une forme, c'est évident qu'il y a certaines formes dans la mémoire, mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est la capacité de l'ego d'observer ce qui se passe. C'est évident qu'il y a des formes dans tout ça, mais c'est cette capacité qu'il a de voir le jeu au complet. Le problème de l'ego évolutif, de l'ego qui n'est pas éveillé, c'est qu'il ne voit qu'une partie. Il voit la forme. Alors, il a peur de telle chose, il réagit en conséquence, il justifie tout ça. Et il se maintient de cette façon-là en justifiant, en renforçant tout ça, il se maintient dans... où il maintient la programmation qui crée, qui le met en vibration. Alors, s'il voit une araignée, ça déclenche un programme, ce programme le met en vibration et l'ego fait le reste, autrement dit, renforcit tout ça à travers le fait qu'il ne voit qu'une partie. Alors, la peur, la crainte est créée de cette façon. Si vous regardez, par exemple, l'envers de la peur et de la crainte, c'est le courage. Qu'est-ce que fait une personne quand elle a du courage? Elle va au-delà de sa peur. Elle dépasse sa crainte. Même si elle est terrorisée, elle dépasse. Autrement dit, elle utilise l'énergie. Qu'elle soit consciente ou non, elle le fait. Dans des situations de guerre, par exemple, ou de danger extrême, il y a des gens qui vont surmonter leur peur et ils vont sauver une autre personne, par exemple. Alors, c'est la même chose. Ça prouve une chose, c'est que la peur, comme telle, la forme qu'elle prend, c'est une illusion, c'est pas réel. Autrement dit, c'est supporté, ce n'est supporté que par une programmation. Autrement dit, par un automatisme. La peur, c'est d'une forme particulière, c'est un automatisme. C'est ce que l'ego ne sait pas. Si l'ego savait ça, si l'individu savait ça, à ce moment-là, il pourrait surpasser ça. Il pourrait utiliser l'énergie et surpasser sa peur. C'est le fait qu'il ne le voit pas, autrement dit, qu'il n'est pas en observation. Ça revient tout le temps à ça, de toute façon. C'est le fait qu'il n'est pas en observation qu'il subit la peur. Ça va très loin aussi. Il y a des gens qui meurent de peur. Alors, ça vous paralyse.
Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'ego le croit. L'ego le magnétise, magnétise la forme. Il renforce tout ça. Il a toutes sortes de bonnes raisons d'avoir peur. Les raisons sont la forme. Oui, il y a quelque chose, il y a une araignée ou un ours, ou un, voyez-vous? Mm-hmm. Par exemple, devant un danger réel, devant un animal féroce, si l'individu ne surmonte pas sa peur, il va paralyser. Voyez-vous? Il va perdre tous ses moyens. Donc, il peut se faire attaquer. L'animal le sent, ça. Chez certains animaux, par exemple, prédateurs, qui voient une proie, la proie, quelquefois, très souvent, paralyse pendant une fraction de seconde. Elle est mise en vibration. Et si elle ne décampe pas, à ce moment-là, le temps qu'elle paralyse le prédateur, la domine, l'appréhende. Alors, chez les animaux, on ne peut pas parler de peur, on parlerait peut-être plutôt d'instinct de survie, mais est-ce qu'ils le vivent comment, les animaux? Ben, ils le vivent de la même façon. Les animaux perçoivent les formes aussi. Ils vont avoir peur des humains, par exemple. C'est vibratoire, ça. Ils vont avoir peur de certains prédateurs parce que ces prédateurs-là peuvent les tuer, peuvent leur enlever la vie. Alors, ils associent une forme à tout ça. C'est pas la même chose qu'un être humain, là. Mais l'animal va s'en servir la plupart du temps, il va décamper. C'est beau. Il est programmé pour... D'ailleurs, les peurs, à la base, sont des programmes de survie. Voyez-vous? Mm-hmm. Les programmes sont tous des programmes de survie. Dans le sens des réactions, des automatismes, pour que l'ego puisse survivre. Le problème, c'est que l'ego ne participe pas consciemment à ça. Alors, à ce moment-là, il peut y avoir toutes sortes d'aberrations qui se mêlent à ça. C'est ça le problème. Alors, plus une personne est mise en vibration, a des chocs particuliers quand elle est jeune, bien, elle associe ces mises en vibration-là avec une forme quelconque ou des formes quelconques. C'est comme ça que les programmes se créent. Et s'il y a répétition, à ce moment-là, à chaque fois, l'ego renforce tout ça et se maintient dans la peur. Il maintient cette mécanique-là en lui. Il maintient ces automatismes sans savoir réellement ce qui se passe. C'est ça l'inconscience. C'est ça la condition évolutive. Alors, tout vient aussi de l'intensité de la peur. Est-ce que ça vient de ce que vous venez de parler, du fait que l'ego renforce en permanence sa programmation? Est-ce que le fait qu'il renforce sa programmation, est-ce que ça augmente l'intensité de la peur? Mais c'est évident. Alors, plus l'ego magnétise la forme, plus il renforce et plus il vieillit, plus il vit l'expérience, plus ça se renforce. Il devient de plus en plus sensible. La sensibilité, d'ailleurs, quand on parle de gens sensibles, ça vient de là. Voyez-vous? Ça vient de programmes très forts en vibration qui ont été nourris par l'ego ou par les générations. Voyez-vous? De génération en génération. Et quand c'est très, très répété de cette façon-là, ben ça s'inscrit, ça se cristallise dans le génétique. C'est pour ça que vous avez des anomalies génétiques, justement. Les enfants naissent de cette façon-là, avec certaines maladies ou certaines déformations, etc. Ça vient de quelque part. Ça vient de cette répétition constante de génération en génération.
L'évolution chez les animaux, par exemple, ça évolue de cette façon-là. Autrement dit, l'animal s'adapte pour survivre. Alors, en s'adaptant, il répète des comportements et ça crée des programmes. C'est comme ça qu'il en arrive à survivre. Mais l'animal n'est pas conscient de ça et l'homme n'est pas conscient de ça. L'éveil, c'est justement la prise de conscience de tout cette mécanique-là. Comment on fonctionne, se connaître finalement. Mais c'est pas facile parce que l'ego évolutif a toutes sortes de notions de la réalité qui sont totalement différentes, qui sont totalement à côté du systémique. C'est ça le problème. Et c'est très difficile pour lui de fonctionner ou de même penser ou de regarder, d'observer les choses différemment. Il est habitué, il est programmé pour regarder les choses de cette façon-là. Alors, c'est pas facile. C'est pas parce qu'un ego décide de vouloir évoluer qu'il peut évoluer facilement. Ça dépend de sa programmation. Ça dépend à quel point il prend conscience de tout ça. La peur, c'est la même chose. L'ego doit prendre conscience de ce qui sous-tend sa peur. Sans ça, il reste pogné dedans, il reste pris dans la forme. S'il a conscience de ce qui se passe, ben à ce moment-là, oui, il est mis en vibration, même s'il sait ce qui se passe, mais au moins, il peut utiliser l'énergie, ou en arriver à utiliser l'énergie. Donc, ce qui sous-tend sa peur, vous nous avez dit tout à l'heure, c'est donc sa programmation. Oui. Oui. Et le fait que l'ego, l'ignorance de l'ego, le fait qu'il renforce continuellement ça, en gobant, en avalant tout ça, voyez-vous? Il ne s'oppose pas à ça. Il ne peut pas, pour lui c'est réel. Mais dans le fond, c'est pas aussi réel qu'il pense. C'est amplifié par la programmation, c'est amplifié par la mise en vibration. Voyez-vous? J'ai déjà expliqué, par exemple, un enfant qui vit en ce moment, par exemple, en Syrie et qui entend des bombes tomber, etc. Bon, ben, même si on le retire de ce milieu-là, s'il entend des bruits un peu forts, il va sursauter comme si c'était une bombe. Le programme est installé. Alors, il va entendre un petit pétard, puis il va paniquer, il va réagir comme s'il s'agissait d'une bombe qui menace sa vie. Alors, il va réagir, sa réaction va être amplifiée comparativement à l'événement. Voyez-vous? C'est ça, la peur. Et si l'ego, l'enfant, embarque là-dedans, ben à ce moment-là, tant qu'il va avoir des bruits de quelconque du genre, ben à ce moment-là, il va être en vibration. Ou très, très forte, très forte vibration. Autrement dit, il va paniquer. Mais la raison de sa panique n'est pas réelle. Voyez-vous? Les peurs, c'est comme ça. L'ego, par exemple, va amplifier ou va anticiper quelque chose, plutôt. C'est pas réel. Oui, alors. Donc, il va avoir peur. Justement, les gens ont peur de l'avenir, ont peur de. Ouais. Ils ont l'impression que le monde s'écroule, que tout va mal. Et les gens ont de plus en plus peur de vivre, peur de. Ils ne savent pas vers quoi on va tendre. Et c'est une peur qui prend de plus en plus de l'importance. Et donc, est-ce que cette peur, finalement, c'est eux-mêmes qui l'activent par leurs paroles en permanence? Ben, c'est eux qui la maintiennent par ignorance.
C'est ça le problème. Si un ego anticipe tout le temps quelque chose, anticipe quelque chose, il se fait un scénario dans son mental. Donc, il justifie. Le scénario, c'est la justification. Voyez-vous? Et il croit ça. Il est dans le virtuel. Il n'y a rien de réel dans le virtuel. Voyez-vous? Ça l'affecte quand même, la programmation, mais il n'y a rien de réel. Alors, l'ego qui anticipe comme ça, ben, il ne peut pas prévoir les choses. On ne peut pas prévoir les choses parfaitement comme ça. On doit être en mesure de réagir au fur et à mesure qu'on avance. Mais l'ego qui veut contrôler, tout contrôler, ben, à ce moment-là, il anticipe. Il essaie de faire le meilleur mouvement ou les meilleurs mouvements jusqu'à la fin. C'est impossible. C'est comme une personne qui combat une autre personne dans les arts martiaux, par exemple. On ne peut pas anticiper. Si vous anticipez en combat singulier, par exemple, vous allez avoir des problèmes. Voyez-vous? C'est la même chose. La vie, c'est la même chose. La vie, c'est un combat. Voyez-vous? Donc là, vous nous parlez d'être réellement dans le présent, dans l'action de... Oui, mais ce n'est pas seulement être réellement dans le présent ou dans le sens que vous l'entendez. Être dans le présent, je viens de décrire qu'est-ce que c'est. Voyez-vous? Sans mentionner être dans le présent. Tout le monde veut être dans le présent, mais ils ne savent pas comment être dans le présent. Être dans le présent, ça veut dire fonctionner avec ce qui se passe. C'est ça, être dans le présent. Et non, si vous anticipez dans votre mental, dans le virtuel, vous n'êtes pas dans le présent. Voyez-vous? Vous croyez être dans le présent. Mais vous n'êtes pas dans le présent, vous fonctionnez avec vos peurs, vos craintes, imaginaires finalement, ou plus ou moins réelles. C'est ça le problème, de la peur, de la crainte, etc. Les gens ont peur de toutes sortes de choses. Et tant qu'ils ont peur, ça les inhibit à faire quelque chose, ça les paralyse, etc. Ils ne vivent pas pendant ce temps-là. Ils veulent tout contrôler. La vie, ça ne se contrôle pas comme ça. Pourquoi que la peur, elle fait partie de notre quotidien? Pourquoi que la peur, elle nous colle à la peau? Pourquoi qu'on ne peut rien faire dans nos vies? On ne peut pas faire un mouvement sans avoir un sentiment de peur. C'est ça. Pourquoi? Parce que il y a tout le temps des événements qui vous mettent en vibration. Puis quand vous êtes en vibration... À ce moment-là, vous embarquez dans la forme de la peur. Vous justifiez vos peurs. C'est ça le problème. C'est ça qui perpétue la peur au quotidien. Vous embarquez dedans. Vous la nourrissez, votre peur. Pourquoi? Parce que vous voyez que la forme que prend la peur. Vous identifiez la forme avec la mise en vibration constamment. Ça vous paralyse totalement. Puis vous faites ça tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont on justifie justement notre peur? Parce qu'on n'a pas conscience de justifier nos peurs. Ce n'est pas tellement la façon que vous justifiez qui va vous donner une réponse. C'est de réaliser comment ça fonctionne qui va vous donner une réponse. C'est d'observer. Moi, je vous réponds en tant qu'observateur. C'est d'observer, si vous utilisez ma réponse ou ce que je parle, ce que je dis, à ce moment-là, ça va vous amener à observer d'une façon différente.
Mais si vous concentrez sur la forme tout le temps, à ce moment-là, ben, vous maintenez dedans. Voyez-vous? Alors, il faudrait se concentrer sur quoi? Il faudrait que vous vous concentriez, comme vous dites, sur l'ensemble, sur le global, sur ce qui se passe globalement, autrement dit, multidimensionnellement. Autrement dit, que l'événement déclenche une programmation qui est déjà installée, des réactions, des automatismes qui sont déjà installés, qui vous mettent en vibration. Mais le problème de l'ego involutif, c'est qu'il associe la mise en vibration, l'intensité de la mise en vibration avec l'événement, la forme de l'événement, qui est la peur. Alors justement, quand l'homme il est, comme vous dites, une mise en vibration, pour l'homme, il ne fait pas la différence, il est déjà au stade de la peur. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il ne sait rien, il ne sait pas ce qui se passe. Alors il embarque. Aussitôt qu'il est en vibration, that's it. Il associe tout ça. Mais la mise en vibration, l'ampleur de la mise en vibration, très souvent, la plupart du temps, n'a aucun rapport avec l'ampleur de l'événement. C'est ce que vous appelez une émotion. La crainte, la peur, c'est des émotions. Pourquoi? Parce que l'ego amplifie ça tout le temps. Autrement dit, il croit. Voyez-vous? Il n'y a aucune perspective, il n'y a aucun recul face à ça. Il s'identifie parfaitement la forme de sa part à la mise en vibration. J'essaie, moi, de décortiquer, mais c'est difficile pour vous de le réaliser, pour l'individu qui est pris dedans de le réaliser. Oui. Il y a beaucoup d'individus qui se rendent compte que leurs réactions sont complètement disproportionnées par rapport à l'événement. Uh-huh. Ça les interpelle, ça. C'est ça, ils vont dire, c'est plus fort que moi. Je crie quand je vois une bébite, whatever. Voyez-vous? Ça, tout le monde le sait. Et alors, quand ils font ça, est-ce qu'ils nourrissent leur programmation, d'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Ils sont impuissants devant le phénomène. Ils admettent leur impuissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de ce qui crée tout ça. C'est ça le problème. C'est l'ignorance de ce qui crée toute l'expérience. Voyez-vous? L'ego qui fonctionne de façon psychologique essaie de trouver une autre sorte de solution. C'est ça le problème. Il n'y en a pas de solution psychologique à tout ça. Il y a une solution multidimensionnel, global, la solution, c'est l'observation de ce qui se passe réellement. La dissociation entre la mise en vibration et la forme qui a déclenché le programme, tout simplement. Mais l'ego qui est pris dans sa part, dans la forme que prend sa part, ben à ce moment-là, il se fait magnétiser par la forme. Il magnétise la forme et en retour, elle le magnétise. C'est ça le problème de la peur. Puis c'est soutenu par la mise en vibration, mais la mise en vibration, lorsque l'ego ne voit que la forme, ben à ce moment-là, l'énergie nourrit tout ça. C'est lui qui fait le lien. Au lieu de séparer les deux, autrement dit, de délier les deux. Ce qui délie les deux, c'est la capacité d'observer multidimensionnellement, autrement dit, la capacité de voir ce qui se passe réellement. C'est ça le problème de la peur. Une personne, je mentionnais qu'une personne, par exemple, qui vit ce qu'on appelle du courage, il va au-delà de sa peur, autrement dit, au-delà de la mise en vibration puis de la forme que prend sa peur. Pourquoi? Comment se fait ça? Parce qu'il est motivé par autre chose, encore plus fort, plus grand, le patriotisme, etc. Oui. Mais là aussi, il répond à un programme. Oui, aussi. Donc, quand même piégé. Je parle d'une personne inconsciente, c'est pour donner un exemple. Oui, bon.
Mais lorsque une personne est éveillée ou commence à s'éveiller, ben, elle est en mesure d'observer ce qui se passe réellement. Donc, elle ne tombe pas dans le piège, même si elle est mise en vibration très fortement. C'est là l'intégration, c'est là qu'on peut observer si l'ego est éveillé ou pas. Et le degré d'éveil, autrement dit, son expérience, l'intégration de tout ça. Voyez-vous? L'ego ne peut pas absorber une grosse dose d'énergie en rapport avec une forme particulière, etc., dès le départ. C'est évident. Il faut qu'il prenne l'expérience. L'ego évolutif veut une solution immédiate. Ça n'existe pas, les solutions immédiates. Il faut qu'il vive l'expérience, il commence à observer tranquillement pour être en mesure de un moment donné, d'observer suffisamment avec même s'il est très en vibration. Autrement dit, il faut qu'il cultive sa capacité d'observation multidimensionnelle. Alors, il doit sortir, il doit expérimenter qu'est-ce que c'est une observation multidimensionnaire. Donc, il doit cultiver ça. Il doit premièrement prendre conscience qu'est-ce qui se passe. Mais la peur, c'est que ça. Les craintes, etc., c'est pas réel. Alors, quand vous parlez de cultiver sa capacité d'observation multidimensionnelle, par quelle expérience il passe et comment il peut en arriver justement à faire cette dissociation entre la mise en vibration et la forme? Ouais, il y a deux questions dans votre question. Comment il peut développer sa capacité d'observation multidimensionnelle, c'est ça que vous voulez savoir? Oui, comment on peut la cultiver, oui. Oui, ça c'était ma première question. OK, c'est ça. Comment, une question à la fois. Sans ça, ça me mélange. La façon qu'il cultive sa capacité, ou comment il en arrive plutôt à cultiver ou à développer une capacité d'observation multidimensionnelle, c'est à travers le fait qu'il est de plus en plus informé. Donc, il est en mesure de commencer à s'opposer à ce qui se passe. Aussitôt qu'il commence à s'opposer à ce qui se passe, il développe une capacité ou commence à développer une capacité d'observation différente de ce qu'il avait auparavant. Et automatiquement... Est-ce que vous pouvez s'opposer à ce qui se passe? Pardon? Est-ce que vous pouvez préciser s'opposer à ce qui se passe? Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Automatiquement, il développe une capacité... Au fur et à mesure qu'il développe une capacité de s'opposer, autrement dit, à cause de qu'il est de plus en plus informé, OK? À ce moment-là, il développe une capacité d'observation. Plus il est en mesure d'observer réellement ce qui se passe, plus il, automatiquement, il ne peut pas embarquer dedans. C'est ça de l'opposition. Alors, plus il a de capacité d'observation, plus il y a d'opposition, c'est évident. Il voit plus de détails. Voyez-vous? Et automatiquement, en développant cette capacité d'observation, il neutralise la peur et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui se passe réellement. C'est comme un enfant qui a peur du noir, par exemple, qui a peur d'un garde-robe. Il fait noir dans le garde-robe, alors il ouvre la porte, puis il n'aime pas ça parce qu'il fait noir là-dedans. OK, c'est pas, il y a de la misère à distinguer qu'est-ce qu'il y a dans le garde-robe, surtout si son frère ou son frère lui a fait peur lorsqu'il était jeune. À ce moment-là, aussitôt que son frère rouvre la porte, les enfants font ça souvent, ben là il a peur. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il s'est enregistré quelque chose avant. Puis si c'est perpétué, ça, si l'autre petit frère le fait un peu trop souvent, ben l'enfant va avoir peur du noir dans le garde-robe. Voyez-vous? Alors, il s'installe une programmation. Mais si l'enfant en arrive à éclairer avec une lampe de poche, par exemple,
OK? Il trouve une lampe de poche, puis son frère lui fait la même chose, il est clair. Il va voir très bien qu'il n'y a rien dans le garde-robe. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Donc, automatiquement, s'il fait ça, il commence à s'opposer à sa peur. Il commence à éclairer ce qui se passe. Autrement dit, à observer autre chose. Automatiquement, il est libre. Il devient libre de la peur du noir dans le garde-robe. Voyez-vous ce que je veux dire? Mm. Alors, c'est une question d'observation. C'est un peu la même chose. Les peurs, c'est la peur de l'inconnu, finalement. Voyez-vous? C'est le fait que l'ego n'est pas en mesure de voir totalement ce qui se passe. L'image de ce qui se passe. C'est ça le problème. C'est pour ça que l'observation multidimensionnelle est si importante. Voyez-vous? Elle développe l'opposition et l'opposition développe la capacité d'observation. Ça va de pair. C'est un cercle vicieux, si vous voulez. Est-ce que c'est ça qui va lui permettre aussi de passer à l'acte beaucoup plus facilement, d'être beaucoup plus détendu dans toutes ses expériences de vie? Ben, automatiquement, s'il subit pas la peur, c'est évident. S'il nourrit pas la peur. Parce qu'une personne qui est en mesure d'observer, elle nourrit pas sa peur. Elle observe la réalité qu'il y a derrière. Donc, elle embarque plus. C'est pas qu'elle veut pas embarquer. Voyez-vous? Elle n'est plus en mesure d'embarquer dans ça. Parce qu'elle voit clair. C'est ça de la lumière. Voyez-vous? Alors, vous nous parliez tout à l'heure du processus de magnétisation de la forme. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce processus-là, puisque apparemment, c'est donc ce processus qui nous maintient dans nos peurs? Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous là-dessus? Je voulais éclaircir. Souvent, on dit qu'on attire à nous, dans nos vies, ceux dont on a peur, ou les situations dont on a peur, on va les vivre. Mm-hmm. Et ce serait un cercle vicieux, et on aurait bien du mal à sortir de ce cercle vicieux. Donc, est-ce que ça vient de la manipulation de la forme? Ouais, mais ce que les gens disent, dans le sens qu'on attire les choses, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Mais bon. Plus une personne est sensible à certaines choses, ben, il y a beaucoup de répétitions dans la vie. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'occasions de vivre toutes sortes de choses. Alors, c'est facile de sauter à la conclusion qu'on attire les choses, mais ils sont là tout simplement. Et vous réagissez à ces choses-là. Voyez-vous? C'est évident que si vous êtes dans une certaine attitude agressive, ben vous allez inciter les gens à devenir agressifs. Donc, vous attirez l'agression. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas suffisamment agressif, vous pouvez attirer l'agression aussi. Voyez-vous? Une personne qui s'efface continuellement, elle va attirer, surtout les enfants à l'école, elle va attirer l'attention des enfants qui ont besoin de se valoriser, qui ont besoin de dominer les autres. L'enfant qui a besoin de dominer les autres, il va aller vers l'enfant qui est dominable. Voyez-vous? Donc, l'enfant attire les choses. C'est un jeu, là. De contraire, très souvent. Mais par rapport à une forme, par exemple, il y a les gens qui ont peur d'être cambriolés, par exemple. Ouais. On remarque que souvent, les gens qui se font cambrioler, c'est les gens qui ont peur d'être cambriolés. Les gens qui ont peur du vol en général. C'est des gens à qui ça va arriver. Que d'autres personnes qui n'ont pas cette peur-là, j'aimerais voir les statistiques là-dessus, là. Comment voulez-vous avoir des statistiques là-dessus? Il faudrait que vous sachiez quels sont les gens qui ont peur d'être cambriolés.
Mais souvent, quand on discute avec des personnes qui ont été ou qui se sont fait cambrioler, c'est des gens qui ont une peur bleue d'être cambriolés. OK. Bon, qu'est-ce qui peut attirer un voleur, par exemple, vers une maison d'une personne qui a peur d'être cambriolée d'après vous? Qu'est-ce qui va attirer un voleur vers une maison où l'individu a peur d'être cambriolé? Expliquez-moi ça. Comment? Faut qu'il y ait un lien, là. Ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Une personne qui a peur d'être cambriolée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des barreaux sur ses fenêtres, etc. Donc, il va signaler au voleur potentiel qu'il y a peut-être quelque chose dans la maison qui a une valeur à être protégé. Voyez-vous là? Donc, un voleur, il va se fier à des signes du genre. Par exemple, une banque. Voyez-vous, avec un coffre-fort. Pourquoi un voleur va voler une banque? Parce que, justement, dans une banque, il y a un coffre-fort. Dans une banque, il y a de l'argent. Voyez-vous? Il y a toujours une cause à effet, là. Alors, une personne qui a peur d'être cambriolée, il va avoir un système d'alarme, il va faire toutes sortes de choses du genre. Fait qu'il attire l'attention des voleurs comme ça. Voyez-vous? Ça a du Donc c'est sens. interprété de façon psychologique alors. Oui, exactement. Parce qu'ils ne sont pas capables de voir le lien. Alors, ils inventent une affaire. Bon, les personnes qui ont peur d'être cambriolées sont toujours. Ah oui, ça se fait par l'opération du Saint-Esprit. Hein? Il y a toujours une cause à effet. C'est juste qu'il faut être en mesure de la voir. La cause à effet, ou les causes à effet. Donc ça n'a rien à voir à ce moment-là avec une magnétisation de la forme. Oui, ça a à voir avec une magnétisation de la forme, mais pas comme vous pensez, pas comme les gens pensent. C'est évident que la personne qui a peur d'être cambriolée magnétise la forme de se faire cambrioler, de se faire voler. Et il agit en conséquence. Il met des barreaux, puis des systèmes d'alarme, puis il indique au voleur qu'il y a une valeur ou il y a des valeurs dans la maison. Donc, Donc, c'est plus ces actes qui sont responsables de l'issue finale. oui, mais à travers le fait qu'il magnétise la force, voyez-vous, la peur d'être cambriolé. Plus il la magnétise, ben plus il va créer des signes extérieurs. Genre, barreau, cadenas, etc. Voyez-vous? Le voleur, lui, il sait pas là, que l'autre individu a seulement peur de se faire cambrioler, puis il n'y a rien de valeur dans la maison. Tout ce qu'il voit, c'est les barreaux, etc. Mais pour lui, c'est comme entrer dans un magasin de bonbons, là. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans le sens qu'il voit les bonbons. Hein? Il s'imagine les bonbons, puisqu'il y a une annonce comme un magasin de bonbons. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est subtil, mais faut être en mesure de l'observer. Les liens sont là. C'est la même chose dans tout, finalement. La capacité d'être en mesure d'observer ces choses-là, plus subtiles, ben, dans votre vie, par exemple. Ça vous permet de vous libérer sans ça vous êtes dans l'ignorance puis vous avez de la misère à être libre de vos automatismes, c'est évident. Vous ignorez même que vous fonctionnez à travers des automatismes même si vous dites c'est plus fort que moi, imaginez. Personne ne va dire ah c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Mais vous lui parlez d'automatisme, puis dire, je suis pas un robot. Voyez-vous le non-sens, là? Elle ne peut pas s'imaginer être sous l'emprise d'automatisme du genre, quand vous lui expliquez. Mais elle va dire elle-même, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Il y a des gens qui tuent comme ça. Il y a des gens qui volent comme ça, etc. Des kleptomanes. Pensez-vous que. Voyez-vous? Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'eux-mêmes aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas du tout leurs réactions
et qui ont peur de leur réaction et peur de ne pas se maîtriser. Il y a beaucoup de gens qui... C'est ça, exactement. Parce qu'ils n'ont aucune idée du fonctionnement. S'ils avaient une petite idée du fonctionnement, à ce moment-là, ils pourraient gérer un peu plus. Ils seraient en observation de ce qui se passe. Mais c'est le fait qu'ils ne sont pas en observation qui les empêche de voir. Ils sont en observation psychologique, normal. L'observation psychologique, c'est l'observation de la forme, des formes. Voyez-vous, du concret, là, matériel, si vous voulez. Purement matériel. Alors, vous disiez tout à l'heure donc, que l'observation multidimensionnelle, elle nous permet de faire la dissociation entre la mise en vibration et la forme. Donc, comment, en fait, on peut en arriver à toucher à cette dissociation? Comment ça se fait? C'est pas de toucher, c'est de l'observer. Si vous observez, si vous êtes en mesure d'observer ce qui se passe, automatiquement, la dissociation se fait. C'est pas vous qui vous dissociez. Voyez-vous? Dans le sens que vous pensez, là. Que vous parlez, c'est l'observation elle-même qui fait la dissociation. On ne peut pas faire l'association si on ne voit pas d'association. Le problème de l'ego évolutif, c'est qu'il voit une association parce que sa vision est limitée. Il y a des œillères. Mais une personne, le moindrement qui a développé un sens multidimensionnel, il ne voit plus l'association, il est en mesure de voir la dissociation. Que c'est pas aussi... Il manque une pièce au casse-tête, tout simplement. Voyez-vous? Et l'individu qui a développé un sens multidimensionnel est capable de voir cette pièce-là, la pièce manquante. C'est ça qui se passe avec l'homme évolutif. Il ne voit pas les pièces manquantes. Pensez-vous qu'un animal voit les pièces manquantes que l'homme, qu'un humain voit? Non. C'est la même chose. L'animal, il lui manque des pièces. Il y a des pièces manquantes. Pourtant, l'animal fonctionne beaucoup plus vibratoirement que l'homme. Oui, je suis d'accord, mais il n'a pas les mêmes qualités que l'homme. Voyez-vous? Il n'a pas les mêmes qualités d'intelligence que l'homme. Il y a certaines qualités d'intelligence purement vibratoires, ça je suis d'accord. Mais l'homme est supérieur à lui malgré ses anomalies. Il ne faut pas oublier que la conscience humaine actuelle, c'est une conscience de transition. Ce n'est pas une conscience finale. L'homme n'est pas encore parfaitement humain. Il va devenir humain quand il va se savoir. Quand il va prendre conscience de ce qu'il est réellement, de comment ça fonctionne, etc. Voyez-vous? Mais il ne sait pas encore. Il essaie là, de toutes sortes de façons. Les scientifiques, c'est ça qu'ils font. Tout le monde fait ça. Là. Ils recherchent dans la forme. À travers, par exemple, le réductionnisme. De trouver des solutions. Mais vous pouvez... diminuer la matière tant que vous voulez, ça ne vous donnera pas de réponse, nécessairement, comme vous voulez en avoir. Parce que les réponses se trouvent en dehors. Les réponses sont multidimensionnelles. Il faut développer un mental en conséquence. Il faut en arriver, l'ego doit en arriver à se libérer de sa façon de fonctionner psychologique. Pour ça, il doit être informé sur la nature de ce fonctionnement-là, puis la nature du fonctionnement systémique, comment ça fonctionne, comment il fonctionne. À ce moment-là, ben, aussitôt qu'il commence à être plus informé, ben, il a plus de capacité à s'opposer à ça automatiquement. Parce que plus il est informé réellement, plus il est en observation, plus il est en mesure de voir ce qui se passe. Voyez-vous? Plus il voit ce qui se passe, plus il s'oppose.
Plus il se pose, plus il voit ce qui se passe. C'est comme ça qu'il développe sa... C'est comme ça qu'il s'éveille. Alors l'opposition, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est juste le fait de ne pas embarquer par le développement de cette capacité d'observation multidimensionnelle. C'est ça. C'est la capacité de ne pas embarquer parce que vous êtes suffisamment informé et vous êtes en mesure d'observer avec ou à travers ou supporté par cette information-là. Voyez-vous? L'ego psychologique, il est limité dans son information. Alors, il ne peut pas prendre l'expansion puisqu'il est limité et il se limite lui-même. Voyez-vous? La différence chez l'ego qui veut s'en sortir, si vous voulez, c'est qu'il est informé d'autre chose. Il est informé sur sa nature multidimensionnelle. Alors, tranquillement, il en arrive à observer ou commencer à observer d'une façon différente, il en arrive à commencer à s'opposer à sa façon psychologique de regarder les choses. Voyez-vous? Il en arrive à s'opposer à cette résistance constante-là. Parce qu'il y a une résistance à évoluer constante. À cause des habitudes de fonctionnement psychologique. C'est très occulte, tout ça. C'est pas aussi évident que l'ego peut le penser. L'ego veut toujours des réponses très précises, etc. C'est pas précis, justement. C'est pas aussi précis que l'ego peut le penser. C'est pas, pose une question, vous avez une réponse précise, puis ça finit là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au fur et à mesure de cette émission, nous avons pu voir à quel point nous sommes en dehors de la réalité lorsque nous acquiesçons aux formes que prennent nos mises en vibration. Par besoin de tout contrôler, nous anticipons, nous formons des scénarios mentaux qui viennent alimenter les programmes qui soutiennent nos peurs. Somme toute, nous vivons la majorité de notre temps dans le virtuel au lieu de vivre directement nos expériences à la lumière d'un mental supérieur avisé. Lors de cette émission, Charles nous a indiqué que des programmes de survie inscrits depuis la nuit des temps peuvent être transmutés lorsque nous sommes en capacité d'observation multidimensionnelle. Il s'agit en fait pour nous d'utiliser l'énergie de cette programmation afin de commencer à gérer notre vie. Ce qui nous empêche de nous éveiller et de gérer notre vie est l'attachement que nous avons à toutes les notions psychologiques de la réalité qui n'ont rien à voir avec la réalité systémique. Qu'en dites-vous? Êtes-vous prêt à vivre cette expérience? L'enjeu est de taille. Il s'agit ici de commencer à vous libérer de vos peurs par l'acquisition d'un savoir et d'une capacité d'observation supérieure qui vous permettra de commencer à vous sentir maître de votre vie en utilisant le système au lieu de continuellement le subir. Nous vous proposons des consultations privées et des ateliers qui vous donneront accès à cette opportunité. À vous d'y voir. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission.